Notre histoire débute il y a de cela des milliers d'années à Jor. Autrefois, cette île vivait en harmonie. Les hommes et la nature progressaient ensemble et s'entraidaient. Cette harmonie était due à une femme que l'on appelait Dame Nature. Une divinité au pouvoir spectaculaire et majestueux que tous admiraient tant par leur beauté que par leur puissance. Elle était celle qui dirigeait tout sur la terre. La pousse des blés, la neige, le vent, les marées. Elle rythmait la vie des hommes par ses saisons, toutes différentes les unes des autres, et chacune possédait sa spécialité. Aucune des saisons n'était semblable. On raconte même que la couronne de fleurs de la dame variait en fonction du lieu et de la saison dans lequel elle évoluait. Dame Nature était puissante. D'un seul geste de la main, les feuilles tombaient. D'un souffle, la brise se levait, et quand elle marchait, l'herbe et les fleurs poussaient. Cependant, qui aurait supposé que les êtres humains n'étaient pas que des êtres emplis de bonté? Un jour, la déesse, se promenant sur le monde, remarqua des machines monstrueuses broyer ses forêts, tuer ses animaux et ravager son sol. Horrifiée, elle comprit que les hommes, qui lui étaient pourtant si fidèles, souhaitaient la mort de sa nature, et en quelque sorte, la sienne aussi. Terrifiée, la pauvre femme, devant ce chaos grandissant, se réfugia en hauteur, dans l'un des derniers temples de la région, la plupart ayant été détruits par les hommes enragés. Pendant de longues heures, elle pria les dieux, les suppliant de lui venir en aide. Ceux-ci, finalement, lui dirent qu'elle ne pouvait plus rien faire, car les hommes n'écouteraient ni une divinité, ni une dame de la nature, trop aveuglés par leur nouvelle puissance et leur égocentrisme. Désespérée, la divinité végétale demanda s'il y avait une solution pour qu'elle s'en aille de ce monde qui était devenu trop dangereux pour elle. Les dieux dirent que oui, qu'il y en avait une en effet, mais qu'elle était irréversible, et ce pendant de longues années. Dame Nature se devait d'abandonner ce monde qu'elle avait peuplé de végétation. Cette dernière observa une ultime fois le monde devenu poussière et acquiesça. Alors, un papillon passa devant la dame, la baignant dans une lumière non solaire. Dame Nature disparut à jamais. Ses pouvoirs furent libérés et les quatre saisons se dispersèrent, chacune rejoignant une région de l'île de Jorvik. L'automne devint maître de Golden Hills. L'hiver rejoignit la vallée du dinosaure oublié, où règne désormais un froid éternel. Le printemps, quant à lui, s'installa au centre de l'île, tandis que l'été alla sur la région des comtés de la Moisson et Sudover. Étrangement, cette légende n'est pourtant pas dans les plus célèbres de Jorvik, Aiden ayant remplacé Dame Nature et étant désormais vénéré à sa place. Pourtant, ceux qui connaissent la véritable histoire de Jorvik connaissent ce conte, et désormais, vous en faites partie. Sachez que la nature est le socle de notre vie. Si l'homme respecte la nature, alors peut-être un jour, la divinité végétale reviendra à Jorvik.